Les métiers de la finance chez Bolloré Transport et Logistics sont structurés autour de plusieurs services, les équipes du reporting et du contrôle de gestion, le contrôle interne, la trésorerie et le crédit management. Notre volonté, c'est de former nos collaborateurs pendant 2 ou 3 ans au siège, puis de les envoyer développer leurs compétences à l'international. Je suis contrôleur financier sur le périmètre Europe Hors France. Moi, je suis en charge de fiabiliser l'information financière de nos filiales en Europe. Ça passe par du contrôle au quotidien, de la formation sur de la comptabilité ou sur des outils opérationnels. Ce qui est très plaisant, c'est d'être mobile et d'avoir la possibilité de me déplacer fréquemment en Europe dans nos filiales. Et grâce à ça, je me sens proche des équipes et je suis en collaboration tous les jours avec eux. Je suis responsable du contrôle des investissements et j'assiste également les filiales dans le montage de leurs dossiers. Donc, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la multiplicité des échanges avec les filiales déjà qui sont présentes partout dans le monde et l'aspect managérial. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'embaucher 2 de mes anciens stagiaires. D'ailleurs, l'un d'entre eux là, va partir au Nigeria en tant que contrôleur financier. J'ai rejoint Bolloré Transport et Logistique il y a 8 ans comme contrôleur financier investissement. Après un stage de 6 mois, j'ai passé 4 ans au sein de la direction des investissements. J'ai souhaité rejoindre la direction financière métier portuaire. Je suis actuellement directeur financier adjoint au sein de cette direction. Je conseillerais à un jeune qui souhaite être contrôleur financier qu'au-delà de la fiabilité du chiffre, le métier de contrôleur financier se caractérise par une analyse pertinente et adaptée au métier, ainsi qu'aux besoins des décideurs. J'ai intégré le groupe il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans le cadre d'un volontariat international à l'étranger en Afrique du Sud. On m'a proposé d'évoluer vers un poste d'expatriation. J'ai effectué ensuite un 3e poste en Afrique australe avec la responsabilité du contrôle financier pour une 15aine de pays. Il y a 3 ans, j'ai émis le souhait de rentrer en France et le groupe m'a trouvé une opportunité, le contrôle de gestion reporting pour les activités africaines. Aujourd'hui, je suis responsable financier de la direction Business Unit Logistique en Afrique. Le groupe, et notamment en Afrique, représente un super terrain de jeu avec des périodes en expatriation. C'est aussi une grande diversité de métiers avec nos activités non seulement logistiques mais aussi portuaires et ferroviaires. C'est un groupe dans lequel on laisse la place à l'initiative individuelle. Le sens entrepreneurial, le respect de l'autre, la détermination, la persévérance, l'agilité, l'innovation, la poursuite de l'excellence sont autant de valeurs portées par le groupe que de qualités recherchées pour nos managers de demain. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous. Contrôleur financier des activités ferroviaires en Afrique. Contrôleur de gestion, fonction centrale. Trésorier. Contrôleur financier, projet Afrique. Analyste, investissement. Contrôleur opérationnel. Credit manager. Contrôleur interne. Contrôle de gestion sociale.